Pour utiliser l'historique de ton VRF FrameBuffer, tu vas commencer par enlever la région de rendu. Et l'image que tu as actuellement, tu vas la sauvegarder dans l'historique en cliquant sur le plus. Si tu viens sur cette image, tu vas voir le temps qu'elle a mis pour se rendre et sa définition qui correspond actuellement à 50% du rendu global. Tu vas ensuite modifier ta scène, par exemple en déplaçant ta lumière, ce qui va te faire un deuxième rendu, que tu vas alors aussi sauvegarder dans ton historique. Maintenant que tu as deux images, tu vas pouvoir utiliser ici la séparation A et B pour comparer tes deux images. Alors il existe une séparation verticale, horizontale, ou une séparation en quatre images, ce qui est franchement pratique lorsqu'on veut comparer différentes vues. Pour le moment, tu vas prendre juste la AB horizontale et tu vas attribuer une lettre à chacun des rendus. Ici, je vais aller sur la gauche sur ma première image pour le A et sur la droite sur la deuxième image pour le B. À partir de là, tu peux jouer avec la ligne de séparation comparer tes deux images, ce qui est vraiment très pratique quand tu fais des réglages assez fins de lumière ou de texture. Tu vas ensuite pouvoir rajouter sur tes images une post-production, ce qu'on appelle les layers. Par exemple, si tu viens cliquer ici sur Create Layer, tu vas pouvoir créer un calque, par exemple, de réglage de l'exposition, ce qui va te permettre de modifier l'exposition après le rendu. Ça te permet de faire des réglages très fins de ton image. Dans le VRFrame Buffer, tu as d'autres indications en bas qui sont essentiellement des informations concernant cette image. Par exemple, lorsque tu bouges la souris sur un pixel, tu peux voir les valeurs en RGB de ce pixel. RGB, ou si tu viens ici, cliquer, pardon, ici, en valeur RAW. Tu peux aussi changer le type de colorisation pour passer de HSV, Web ou 8 bits. Personnellement, je vais rester pour le moment en HSV. Si tu veux plus d'informations sur ta scène, tu vas pouvoir entrer aussi dans les stats. Ainsi, tu vas voir quel moteur est utilisé, combien de cœurs tournent ou encore combien de passes ont été faites.